Bonjour, il arrive 11h, midi et demi. Bonne nuit depuis. Hadja, comment ça va, mon levant? Dis-moi, à descendre que nous voyons, parce qu'il y a l'hôpital, quasiment d'affaires, il possible de travail. Et que. Moi, on dormit, et à cela, comment lever? Ben, ça y est, il me rate la moitié de la journée. Super, ouais, t'as pas fait aujourd'hui, mais j'espérais. Moi, she get everything done. Let's go. Hiyo, comment ça tu la catches? Nen, un demain anti, petit local, ce que tu vois. Et les gars, ils commencent à lui parler de cause. Mais puis tu vas la pause, c'est que c'est à l'hôpital pour prendre médicaments pour mon papa. Mais ouais, ça c'est l'aventure d'aujourd'hui. C'est basic, c'est ce qui est safe, l'hôpital, c'est que tu vas pas extra beaucoup avant que tu passes. Mais aussi, qui te pagaine, on y a pas de clofénac, que ben le tchinko a pas la dole, puis ton, etc. etc. Ben la gosse, parce qu'il a pu me tomber, et que mes gamins, ça me fait que tu as un gâteau salé. Ben il n'a rien que des mentos. J'ai envie de manger un gâteau salé, veut dire un gâteau piment, un gâteau. C'est ça que tu m'as montré pour que ça vous caméra. Ouais, mais tu vas voir un peu, en fait, Phoenix, il est famous pour faire un peu. Qui vendait d'Hachemer Highlands et que j'ai envie extra envieusement ça parce que je me connais comme pas la case, je me connais guider. Mais il est parti là et quand c'est là, vous allez retourner à case sans gâteau salé qui est pas saillé du tout. Mais bon, de retour à la case avec un JT. Et d'abord, ça fait que j'ai déjà fait l'année là, c'était manger bien, manger sainement. Et ça fait que je n'ai pas réussi à faire du tout parce qu'il fait mon parcours en préparant mes écrans matin comme je l'avais bien. Et que je trouve une formule que je prépare tous les fruits avant pour la semaine. Et que je fais en sorte que je mange pendant la journée, etc. Mais c'est un demande à faire qui. Mais j'ai un demande à faire marrer beaucoup, non? Ouais. Un affaire que j'ai envie d'améliorer, c'était. Comment je dispose de ban waste, je veux dire organic waste. Je vais faire compost, mais I've tried that. Il n'y a pas de possibilité par contre de faire compost. C'est que je ne suis pas con faire li, je ne suis pas habile à faire li, something like that. Mais j'ai bien envie d'améliorer là et un peu réfléchir à comment je peux faire li sans qu'il involve moi, mettre la main dans le compost là ou bien faire la terre. Pour tout ce processus là, still thinking about it, maybe it's coming. Hello, finalement monté. Je me sens fatiguée, je get un fume. Je ne sais même pas quand il est là, 11h15, ça fait un date. Je end up get 10 in the gig, one par an, avec un fume là. Je vais me poser ma caméra là, je vais me faire un petit peu de temps. Hi, so, ouais, je end up get 10 in the gig, one par an. Je vais faire la première vidéo là. Anyway, ça fait mal extra célèbre parce que je relate a lot avec celui-là, parce que mental health, et ça fait que. Comment dire? Je vais trop à réfléchir et trop à que j'ai senti. Mental health, et ça fait que je suis extra content de speak about et coïncidence que ça fait mal aujourd'hui. Coïncidence que mon gars fait aujourd'hui et que mon batterie loup les mind blogging parce que mes petits créatifs en fait elle a le hashtag do you parce qui fait une fois nous réaliser qui tenait chasing behind materialistic things behind goals and titles etc te penser ça fait toi happy mais in the end juste comment dire puis run behind everything that is ephemeral et que arriver à un point où tu te dis, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça que tu peux achieve pour. Récemment, je me réalisais que c'est vraiment pas ça. C'est vraiment. Je suis pas à l'encontre de mes principes et values et que ça peut faire moi feel very unhappy. Et je pense qu'il y a une conscience guide par rapport à how my lifestyle influence, comment dire, me going against my own words and principles and values que I needed to take a step back pour réassess moi-même et qui c'est important, qui pour moi est extra super important
to take care of oneself parce que ta mental health, s'il n'est pas bien, tu peux forcément, comment dire, crasher ton physical car, ok, mais tu pas pour in a willingness to go ahead avec mes affaires. No idea qui fait en ce moment, tout le monde a trop sound very like mauvais preach. Mais c'est la journée tranquille parce qu'il me dormit quand 11h30, midi et demi. Je ne me pas trop rappeler qu'il m'a levé d'un dépassage complet. Je me reste à l'hôpital. Je me reste fait un petit vlog en marchant quand il y a du monde. I was like, oh, so proud of myself. Comme un petit peu quand j'ai aussi. Mais, like, baby step towards quand j'ai where I want to reach. Mais à part ça, je ne peux pas croire mon vlog extra long aujourd'hui et qu'il y a un cyclone classe 2, classe 1, Maurice. Peut-être qu'il y a des meubles classe 2. Alors peut-être demain, s'il y a pour un indoor. Mais mon PC ça semaine-là pour être capable de réassess goals and objectives of where I want to be, where I want to go. Et un affaire qui me le temps dit, c'est que je n'ai pas envie de m'exister dans l'année, me regretter. Et mon envie fait en sorte que quand arrive 2018, pas 2019, je suis capable de look back and say that yes, I've done what I had to do et que je ne vais pas regretter non plus. Et ouais, à part ça, ma conversation avec Mandy est extra intéressante aujourd'hui. Alors, shout out à Nitish et Nelvin qui ban du monde qui fait ma réfléchir à meaning of life, how do things connect et vraiment avoir une perception de plein d'affaires qui, like, we take for granted in our daily life, mais at the end of the day, l'extrême important que nous analysons plein d'affaires là, par exemple, multiplier les affaires avec théorie, que we are made of the same clothes, allons dire, que quand tout le monde s'y crée, tout le monde, comment dire, alors, we are a reflection of each other et tout le monde, c'est une reconnaissance de toi. Je veux dire, you as an individual, you as a person is being reconnected et si tu believes de reconnaissance et tout. Et qu'à un point, tu es moins te réincarner et que there's been so many multiple versions of your own self que comment tu as interaction avec toi-même. Et qu'une de mes conversations qui me fait moins réfléchir, c'est qui fait une fois de pas get along with people et qui fait une fois de tenir, like, to feel really close to people. Alors, une des sous-perceptions qui me fait réfléchir à plein d'affaires, c'était une fois que tu share common values ou bien un affaire d'intérêt, common interest avec un demon, tu as tendance comme à cling on to those people parce que c'est match how you feel, how you think. Lifestyle, etc. Mais quand il y a un monde qui pas pense pareil comme toi, tu peux tenter de rejeter un peu ce qu'il tenait, tu peux pas nécessairement envie de get out of your comfort zone. Et que ça, l'idée là, il fait moi content. Ça, genre, ça, l'idée que tu reject people based on where your comfort zone is, ça, intéressant puisque tu réalises qu'il y a extra beaucoup de monde, parce que tout le monde différent. Et que tout le monde a une autre façon de penser, forcément, tout le monde pense the right in their own way. Et que, qui est vrai, qui n'est pas vrai aussi. Qui fait que le fait qu'il n'a pas nécessairement get along with some people, like, we need to respect and acknowledge the knowledge qu'ils ont péché instead of rejecting the person as they are, if that makes any sense. Mais rien ne fait moi réfléchir beaucoup à comment tu es capable d'accepter the knowledge qui te peut recevoir parce que as a human being you're always learning from one another mais tu pas nécessairement accepter la personne parce que like you can choose who to have in your circle or not et que ça l'idée là me trouve ça y est. Et une deuxième affaire qui m'a appris aujourd'hui c'était quand on a vu un petit peu cause about dream picking, je trouve l'idée là extra intéressante parce que moi, mon expérience là, comme tu rentres dans le social work, veut dire dream picking, c'est basically quand tu choisis une affaire et que un demon se l'idée de la chose fait toi
C'est the same thing. Par exemple, quand l'exemple qui n'a venu d'avant, mais c'est juste l'exemple, c'était que quand on dit psychology, première question qui est un lecteur aidé, maintenant que tu rentres dans la classe, c'est basically why do you choose that subject? Et Dimon disait que tu es the first answer to help people, basically. Et at the end of the day, tu gagnes tout le monde qui a la même réponse parce qu'il fait un objectif du monde qui peut envie stand up and they speak what they really want, qui fait un choose that subject. Et I relate so much to this parce que quand tu rentres dans ce genre de work, me partir réaliser que tu peux envie aller parce que plastic has not always been my fight. Me comme rentre dans NGO, c'était parce que I admire those people who are doing something for greater, greater cause, sa cause est vraiment bigger than their own self, mais still, they want to do it. C'est un peu l'admiration qui me fait me rendre ce genre de work. Et aujourd'hui, comme au look back, me réaliser que peut-être le fait qu'ils me rendent ce genre de work, I've entered it for the wrong reason. I didn't want to help people. Mais à ce là quand mon arrivée, quand mon trouve moi, puis si tu es moi dans ce genre de work, c'est avant tout inspire people pour qu'on m'a dit capable de lead a plastic free life. Mais at the same time, raise awareness. So, ma passion, ma dream, ou whatever you can call it, in vini avec le temps en keeping myself accountable and every time cross-checking, oh, est-ce que c'est ça qui m'a envie de faire? Est-ce que c'est la raison pour laquelle je veux faire ce que je veux faire? Et pour moi, ça process là, c'est intéressant parce qu'à chaque fois, je réalise que. Par exemple, tu veux dire dans ma vidéo la dernière fois, quand on fait projection, I know where I want to be in 2 years. Et l'important pour moi, faire sa projection hein, parce que je n'ai pas envie de go along the roadmap and not knowing where I'm going. Parce que pour moi, c'est extra frightening, not knowing. Et c'est une des bonnes affaires qui me trouve chagrin hein, parce qu'il y a beaucoup de monde just do things because they have to do things. C'est pas pour. Je ne vais pas pour question why they are doing it, parce que le système dit qu'ils ont fait ça, ils ont fait ça. C'est une affaire qui me trouve extra intéressante, so ouais. À part de ça, tu cool. Ah, ouais, mon système, tout. Oh, le cas ma so, ouais. M'extra compte Angry Bird à certain point et que m'a un t-shirt qui est available, qui est plein et que m'a dessiné ça. Et que c'est un de mes favoris t-shirts. Je pensais que m'a depuis 4 ans, c'était là, parce que depuis 4 ans, c'est là. Donc, un des avantages qui m'a extra content, c'est que m'a de la durabilité de clothing parce qu'ils nous vivent dans les mondes de la fast fashion. Et que l'extra intéressant de savoir qu'un t-shirt n'est pas nécessairement tout mes classes après tenir de se mettre au cas de disparaître, mais tu peux pas continuer, par exemple, 4 ans, maintenant ça, même moi-même qui dessine ça avec tenir like, amateurish, mais il y a encore bon, il y a encore pareil, ok. Et c'est un concept qui beaucoup de monde n'a pas réalisé parce que tu as une tendance à acheter et suivre fashion et then tenir just do things because people are doing it. Qui peut provoquer beaucoup de dégâts à l'environnement parce qu'il faut se faire nous avons réalisé que le textile pollue beaucoup de rivières, de laine, etc. par rapport à dying and wastage qui dommage pour environmental causes parce qu'ils ont réalisé que c'est un pilier de l'économie, mais at the same time, they're doing so much harm to the environment. Which is which? What to do? Peut-être live more sustainably, become more conscious of how or where your clothing is coming from. Par exemple, il y a beaucoup de pays qui continuent de promouvoir child labor juste pour supply demand of people who want qui ont envie new clothing toutes les semaines, tous les jours, d'envie tenir. Jamais je vous ai parlé avec Mimles, oh my god, Mimles, ma peine à ma sinon avec vous autres. Ouais, mais ça c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'éducation à faire dessus parce que tenez, la société change tellement vite et que tout à fait une vie, comment dire, sans réfléchir, que ne pas question que nous avons fait pour sortir et qui fait, nous pouvons faire, nous avons fait, qui nous fait, qui est extrêmement important à question, really.
I have no idea qui fait tout ma vidéo peut finir avec ma morale qui peut stretch on. T'as dit ah, stretch on? Je ne pas connaître, mais qui peut vraiment comment dire stretch long. That's what I wanted to say. Mais oui. Ouais, c'est ça. Lundi, il vient passer. Et le cyclone de Maurice nous guettait comment les choses progressaient. Au quoi entre, ok. Allez, ok, bye.